En manchette aujourd'hui, la guignolée, plus nécessaire que jamais dans notre région. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 7 décembre. En effet, la guignolée est plus nécessaire que jamais en ces temps un peu plus difficiles. Notre région n'échappe pas à cette règle. Et les gens qui en ont besoin sont de plus en plus nombreux. Donc, la situation des familles pauvres, en effet, se dégrade de plus en plus à cause des coûts croissants des aliments, notamment, et des loyers, des hausses de loyers. Ainsi, ces familles recourent plus souvent au comptoir alimentaire, comme celui du groupe d'entraide en toute amitié à Berthierville. Donc, elles frappent à cette porte pour se nourrir le plus convenablement possible, surtout lorsqu'arrive la fin de mois. C'est pourquoi cette année encore, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Berthier organise la guignolée, qui se déroule les 8 et 9 décembre dans le Grand Berthier. En effet, des bénévoles sont présents ces deux jours-là dans les commerces, on parle des commerces IGA Berthier, IGA Mondor, le métro Berthier et la pharmacie Jean Coutu, toujours à Berthierville. Les pompiers de Berthier ainsi que les cadets passeront le 10 décembre dans l'avant-midi pour ramasser les contenants de nourriture que vous pouvez fournir dans le cadre de la guignolée. Les chevaliers de colons de Berthier aussi s'impliqueront dans le succès de cette démarche annuelle. Si vous le voulez, c'est aussi possible de contribuer financièrement à la guignolée en acheminant un chèque ou encore par virement bancaire. Les chèques devront être émis à l'ordre de la Société Saint-Vincent-de-Paul. L'adresse est 780 rue Montcalm à Berthierville, J0K1A0. Les virements Interac s'effectue à l'adresse courriel de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Le mot d'accès pour pouvoir effectuer sa donation, c'est SSVP. Donc, on vous invite à être généreux, il y a différentes façons. Et les gens dans le besoin, on le rappelle, sont de plus en plus nombreux. On passe maintenant à un autre sujet qui a été discuté au conseil municipal de la ville de Berthierville lundi soir. C'était l'assemblée régulière du mois de décembre, la dernière de l'année 2023. Il a été question, bon, évidemment, on en a parlé en début de semaine, de l'aréna de Berthier, mais il y a un autre projet qui pourrait intéresser bien du monde. On parle d'un projet de patinoire réfrigérée. Donc, qui pourrait servir beaucoup plus longtemps en période d'hiver et de pouvoir attirer beaucoup plus de monde. Ce projet-là est destiné au parc Saint-François. C'est derrière l'hôtel de ville, là où il y avait le terrain de balle. Donc, on écoute un extrait du conseil municipal où une résolution a été adoptée à cet effet. Le projet est enclenché. On cherche maintenant à conclure, à attacher, si on peut dire, son financement. On écoute. H18, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air de Papillespa. Ça, c'est le volet 1. Donc, M. Frenière. Considérant que la ville de Berthierville a réalisé un plan directeur d'aménagement du parc municipal Saint-François, qui inclut entre autres la construction d'une patinoire réfrigérée, considérant que la ville désire offrir à sa population l'accès à une patinoire réfrigérée pour favoriser la pratique régulière d'activités physiques dans un lieu de pratique sécuritaire et accessible, considérant que la mise en place de cette nouvelle infrastructure sportive répondra aux besoins de la population et contribuera au bien-être de chacun, considérant que le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air permet de soutenir financièrement la ville pour la réalisation d'un tel projet. En conséquence, je propose que la ville de Berthierville autorise la présentation du projet de construction d'une patinoire réfrigérée au parc Saint-François, volet 1,
au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, le volet 1. Que soit confirmé l'engagement de la Ville de Berthierville à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continus de ce dernier et à assumer toutes dépenses de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre. Que la Ville de Berthierville désigne Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Merci. Et si tu appuies par? J'ai appuyé. Madame Fontaine, merci. J'ai un appel au droit de ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. De Berthierville, déplaçons-nous à La Norée. Donc, mardi soir, c'était la séance régulière, la dernière de l'année 2023 aussi, pour les élus municipaux. Il y a plusieurs sujets qui ont été discutés, mais entre autres, on a appris la date du dépôt du prochain budget municipal et aussi le calendrier des séances du Conseil pour l'année 2024 a été adopté. On regarde un extrait de l'Assemblée. 5.3, budget 2024 et programme triennal d'immobilisation 2024-25-26, date d'adoption. Proposé, appuyé, résolu que le dépôt et l'adoption du budget pour l'année financière 2024 et du programme triennal d'immobilisation 2024-25-26 ait lieu lors d'une séance extraordinaire le 18 décembre 2023 à 19h. Donc, aux gens intéressés, venir assister à, donc, au dévoilement du budget 2023, ça va me faire plaisir. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée, à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Calendrier des séances 2024. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, que les séances débuteront à 19h30. Donc, fait à noter, l'année prochaine, en 2024, les séances du Conseil vont débuter à 19h30 au lieu de 20h. Alors, on a tergiversé entre 19h30 et 19h. 19h, on veut laisser le temps aux gens d'arriver chez eux, souper, bon, etc. Alors, 19h30 à l'avenir. Donc, situé au 57 rue La Roche, La Norée, que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2024, calendrier que vous retrouverez toujours sur le site Internet de la municipalité. Donc, le 16 janvier, 6 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 6 août, 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et greffier trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée, appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Toujours lors de cette séance du Conseil municipal à La Norée, il y a eu un suivi de dossier touchant la sécurité routière. Il y a aussi été question du comité environnement de la municipalité. On écoute un deuxième extrait. Sécurité routière, je pense. Oui, c'est ça. Je cherche mes notes. Donc, c'était simplement pour vous mentionner que au niveau de la sécurité routière, il va y avoir une soumission. En janvier prochain, il va y avoir une présentation du plan d'action de sécurité routière. Et probablement qu'en février 2024, on va avoir un plan final, un rapport final là, de plan d'action en sécurité routière. Donc, je voulais juste vous faire un petit peu un suivi à ce niveau-là. Donc, je vous remercie de votre attention. Dans la catégorie bonne nouvelle, félicitations. Les membres du Conseil sont unanimes. Je pense que la population doit l'être aussi, à mon avis, unanime. On veut féliciter notre pharmacienne, donc Mme Julie Bourgeois, qui a reçu le prix pour la meilleure pharmacie au Québec, et ça, toute pharmacie et bannière confondues. Alors, félicitations, Mme Bourgeois. On est très fiers, et on est fiers aussi de voir à quel point vous vous impliquez dans la communauté.
Voilà, c'était la section bonne nouvelle. Maintenant, politique de l'arbre, toujours en suivi information. Vous savez qu'on travaille présentement, le conseil municipal a une politique de l'arbre. Et la politique se dé... En fait, il y a deux volets à la politique. Il y a le volet urbain, périurbain, donc la canopée du village, et il y a le volet aussi boisé. J'aime pas ça dire ça, là, mais en fait, la campagne, si on veut. Là. Donc, il y a deux volets à ça. Présentement, on a terminé. J'en parle parce qu'il y a des gens qui nous interpellent là-dessus, puis ils veulent savoir où on est rendu. Donc, on a terminé le volet campagne boisé. Quand je dis terminé, on a une ébauche qui est faite et on la présentera éventuellement. Et on termine bientôt, on espère terminer avant Noël, le volet urbain, périurbain, donc ce qui s'appelle le village. On a deux experts, un pour la campagne et un pour le volet urbain et périurbain, et on termine bientôt. On espère pouvoir, soyons réalistes, là, février, pouvoir convoquer les gens qui ont donné leur nom au comité environnement. Il y a à date une dizaine de personnes qui ont donné leur nom pour faire partie de ce comité-là. S'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, vous appelez à la réception ici à l'Hôtel de Ville, vous donnez votre nom, et en février, on va convoquer toutes ces personnes-là qui auront donné leur nom pour regarder finalement l'ébauche finale, pas finale, l'ébauche de propositions, et les gens pourront apporter des idées, des suggestions, des propositions. Il y aura échange à ce moment-là. Quand ça sera fait, à ce moment-là, on va inviter toute la population finalement, à venir assister à une présentation. Et encore là, il y aura échange, propositions, suggestions, idées. Et quand ce sera terminé, bien, il y aura un rapport final qui sera soumis au conseil municipal. Le conseil municipal en disposera à ce moment-là par résolution, à la mesure où il est satisfait de la proposition qui lui sera présentée. Ou s'il veut l'amender, il pourra toujours le faire. Voilà, c'était point d'information. Toujours à la Noraie, il y a un projet de concours artistique qui devrait donc être lancé en 2024. Il en était question lors de la séance du conseil. On regarde. 9.5, concours artistique. Je vais laisser la parole à M. Martin Lavallée. Oui, bien, merci, M. le maire. Prends le micro. Okay. Dans le fond, c'est en lien avec la politique culturelle qu'on a élaborée. On avait un plan d'action, je vous rappelle. Eh bien, là, on va de l'avant avec un projet de plus dans ce plan d'action-là, qui était de faire des concours artistiques annuels. Avec différents thèmes, des concours dont les objectifs sont de 1, de promouvoir les arts dans la population et de 2, de développer un sentiment d'appartenance chez les citoyens. Fait que pour cette année, pour ce premier volet-là de ce concours-là, on va aller de l'avant avec un concours sur les d'art visuel. Donc, qu'est-ce qu'on parle? Il va y avoir plus de détails éventuellement dans la programmation de la municipalité et dans les publications de la municipalité. Mais là, je donne un petit avant-goût, là. Ça va être, dans le fond, les arts visuels, on parle de la photo, dessin, peinture. Ça va être adressé aux citoyens de la Noraie. Donc, tout le monde qui a envie de participer, qui est résident de la Noraie, va pouvoir participer. On va avoir des catégories d'âge et puis il va y avoir des prix qui vont être attribués à ça. Donc, le slogan cette année, pour développer le sentiment d'appartenance, on a un nouveau slogan de la municipalité qui est « Unique de nature », mm-hmm. avec un nouveau logo aussi. Eh bien, le thème du concours cette année, ça va être unique de nature. Donc, chaque participant va interpréter, s'approprier ce slogan-là et l'interpréter à sa façon. Ça va lui dire quoi pour un tel unique de nature? Pour un autre, ça va vouloir dire quelque chose et d'autre. Et ils vont créer des œuvres, que ce soit photographique, dessin, peinture, en art visuel, liées à ce thème-là. Donc, ça va probablement donner des choses intéressantes. On va voir. Je l'espère. Et puis, c'est ça, il va y avoir des prix pour chacun. D'ailleurs, ce concours-là, il a été élaboré par moi-même avec 3 employés municipaux liés au domaine de la culture, Marie-France Le 13, Marie-Lou Lacerte et Josiane Laporte, que je remercie aussi pour leur implication là-dedans. On a tout élaboré ça ensemble avec des dates, avec la façon de fonctionner. Les œuvres, comment ça va fonctionner, vont être exposées à la bibliothèque. Et il va y avoir, grosso modo, ce printemps, une période de 3 semaines, où est-ce que les gens vont pouvoir voter. Ça va être les citoyens qui vont être invités à voter. Et pour l'œuvre qui leur plaît le plus, qui les interpelle le plus. Et puis, ben là, il va y avoir des prix après ça en panier cadeau avec pour des achats, entre autres, dans des entreprises culturelles et tout ça, pour des théâtres. Fait que ça va être super, super intéressant quand même comme prix. Et puis, je pense que ça va être attrayant aussi. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, il va y avoir plus de détails, comme je dis, dans la programmation du printemps. Et puis, dans la programmation de l'hiver et aussi dans les publications Facebook et tout ça, bulletins municipaux qui vont venir ce printemps. Fait que,
pour les intéresser, bien, commencez à penser à ce qui vous intéresserait là-dedans, si vous êtes intéressé à participer. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Faut pas. Est-ce qu'il va falloir s'inscrire? Ça va être à déterminer. Oui, probablement qu'il va falloir. Okay. Dans le fond, il va y avoir une date d'échéance qui va être le 9 mars pour déposer son œuvre. Donc, ça va être à la municipalité. Il va y avoir plus de détails là, dans les prochaines semaines. Mais oui, c'est ça. Il va falloir déposer son œuvre avant la date d'échéance pour pouvoir s'inscrire. Et après ça, il va y avoir une période de 3 semaines d'exposition et de vote du public. Fait que c'est une belle activité, puis c'est ça, c'est, dans le fond, on demande un total de 1 000 $ pour les prix. Il va y en avoir un de 500 $, un de 200 pour les plus jeunes et un pour les un peu plus jeunes de 100 $ aussi. Donc, ça va être intéressant. Voilà. C'est bon? Oui. Ah oui, je voulais dire aussi, une dernière chose aussi, en lien avec ce que tantôt Marie-Ève disait, on va aller de l'avant aussi dans les prochains mois avec un comité de la culture, une nouvelle mouture d'un comité de la culture. On avait un comité pour la politique culturelle qui a travaillé pendant un an pour adopter la politique culturelle. Ça a été fait, ça a été très bien fait. On a eu des citoyens qui ont bien participé. Et on a continué à siéger par la suite, mais dans le fond, c'est que ce comité-là n'avait plus de mandat officiel en vertu d'une résolution du Conseil. Et aussi, le mandat était flou un petit peu. Là. Maintenant que la politique culturelle était adoptée, le mandat était un petit peu flou. Donc là, on va revenir avec une nouvelle mouture, peut-être un petit peu inspirée de ce qui se fait avec le CCU. On est en train de regarder ça. Et puis, il va y avoir un appel à tous qui va être lancé pour tous les gens qui sont invités à contribuer puis à s'impliquer dans la culture. Mais vous allez pouvoir participer à ce comité-là. Et puis, qu'est-ce qu'il reste à faire, c'est d'établir le mandat, la constitution et tout ça. Ça va être dans les prochains mois, ça va venir. Fait que peut-être que ce comité-là pourrait, entre autres, se pencher sur les péchés mignons. On verra. C'est bon? On verra dans le mandat qu'on lui donne. Vous avez dit un prix de 500, un prix de 200 et un prix de 100? Exactement. 500 pour les adultes 18 ans et plus. Pourquoi votre 1000? Bien, 500 parce qu'il y a peut-être, admettons qu'il y a un des gagnants, c'est un dessin ou une peinture, mais là, il va falloir numériser l'œuvre. Alors là, on s'est mis un montant de tampon pour amortir. Alors, est-ce que je vais vous proposer, M. Lavallée? Oui, je propose. Faites la proposition. Est-ce que un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes, un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra, sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro, sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime, sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso, sur la rue de la Traverse et le marché Aldo, sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires en ce 7 décembre. La FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Lynn Niquette et à Gérald Bonnet. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 7 décembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On termine le petit volet conseil municipal de Lanoraie en parlant de l'activité Les Péchés Mignons, fort populaire à Lanoraie. Le conseil municipal a fait le bilan de l'activité. On écoute. 9.2, je cède la parole
À Mme Marie-Ève Mondard. À vous, Mme Mondard. Ah, j'ai pas demandé le vote. À ma droite. À ma droite. À ma gauche. C'est unanime. Merci, Mme. Donc, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, on a eu 4 péchés mignons. Il y en a eu un qui était annulé à cause du mauvais temps. Il y en a un qu'on a transféré à l'intérieur du pavillon Jean Bourdon, ceux qui s'étaient rendus sur place. Il y a à peu près 30 exposants par péché mignon. Il y a eu un marché de Noël, que lui, il y a à peu près une vingtaine d'exposants. On a eu des breuvages gratuits, le foyer à l'extérieur, puis de l'animation, c'était des chanteuses, c'était vraiment super beau. On estime à peu près entre 1300 et 1500 personnes réparties sur les 4 marchés publics. Il y a des marchés... Bon, les marchés demandent beaucoup de ressources pour la municipalité. Fait que, encore une fois, je demande s'il y a des gens qui n'ont rien à faire les dimanches matins qui peuvent venir nous aider à monter, démonter les chapiteaux. Ça demande beaucoup de bras. On appelle qui? sûrement Marie-Lou Lacerte ou Josiane Laporte. Okay. La municipalité. Ils vont savoir où aller. Il y a certains exposants qui ont une baisse d'achalandage, mais d'autres ont une augmentation. C'est selon, je ne sais pas qu'est-ce que ça dépend, mais c'est sûr qu'il va falloir repenser un peu à ce qu'on veut, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de ressources à la municipalité. Il y a certaines municipalités, je l'ai dit souvent, mais qui ont des comités qui font ça temps plein, qui s'en occupent à temps plein. Ça peut, si on veut quelque chose de gros, ben ça demande beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de ressources, beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps à donner à ça. Je voudrais remercier l'agente à l'accueil, les ressources humaines, travaux publics, l'entretien ménager, puis les responsables, Josiane Laporte puis Marie-Lou Lacerte. Sans eux, on ne pourrait pas rien faire. Okay. En gros, c'était ça. C'est bon. En fait, si je peux ajouter un truc, mais ça va dans le même sens. Si on veut le renouveler, il faut s'asseoir puis y réfléchir. Et quand on parle de bénévoles, c'est pas juste de monter des chapiteaux le matin puis de les défaire le soir. Des bénévoles, s'il y a 3, 4, 5 bénévoles qui créent un petit comité avec Marie-Ève puis avec les gens à la culture, que ce soit avec Hélène ou avec Marie-Lou, ben ça permettrait de le repenser, de peut-être de le voir différemment. Exact. Voilà, c'est ça. Parfait. Bien, merci, Mme Mondard. Voilà pour cette tournée du conseil municipal à Lanoraie. On passe maintenant à la pause. À son domicile le 22 novembre dernier à 81 ans, est décédé M. Jacques Riquier, propriétaire durant 60 ans des ameublements Riquier à Berthierville, époux de Claudette Marchand, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Nathalie Riquier, Alain Moreau, Éric Riquier, Véronique Blackburn, ses 4 petits-enfants, Mégane et Sandrine Moreau, Vincent et Benoît Riquier. Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Gertrude Riquier, feu Julien Baudry, Normande Riquier-Tremblay, Georges Côté, feu Jacqueline Riquier, Lise Riquier, Marguerite Riquier, feu Jacques Bellé, Francine Riquier, Vital Marchand ainsi que Claire Sirène,
Manstrahan, feu Marcel Marchand, Huguette Marchand, Denise Marchand, Lise Barry, François Marchand, Jocelyne Leblon, Nicole Marchand, feu Jude Piette, Cléo Marchand, Hélène Lupien, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation canadienne de l'Alzheimer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 9 décembre dès 11h au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame-Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Mme Lise McQuinney, épouse de Normand Lachapelle, survenue le 19 novembre dernier à 74 ans. Elle demeurait à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé son frère André, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles Cathy et Audrey, Roger Gaudreau, sa petite-fille Mathilde, sa sœur Diane, Danielle Bonnet, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachapelle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Pour ceux et celles qui le désirent, un don peut être fait en sa mémoire à la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche 10 décembre dès 11h au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à 14h. Elle se déroulera à la chapelle du complexe. Madame McQuinney sera inhumée au cimetière de l'Île-du-Pas à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 novembre à 89 ans, est décédée Mme Marguerite Denis, épouse de feu André Sylvestre, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Christiane Sylvestre, Denis Desrochers, Robert Sylvestre, Jocelyne Barrette, Denis Sylvestre, René Robitaille, Julie Sylvestre, Michel Bérard, Hélène Sylvestre, René Sylvestre, Jeannick Guertin, ses sept petits-enfants, Vincent et Elisabeth Desrochers, William et Alexis Sylvestre, Roxane et Camille Chapdelaine, Laurence Millette, son arrière-petite-fille Emma Rose Sylvestre, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Denise Sylvestre, feu Guy Charbonneau, Denise Bonnet, feu Jean-Noël Sylvestre, Claude Sylvestre, Claudette Sylvestre, Roch Gauthier, Nicole Sylvestre, Gabriel Bertrand, Lise Sylvestre, Bernard Saint-Jean, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Oui, voilà. La famille vous accueillera samedi le 16 décembre à 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la chapelle au complexe à 14h30. Madame Sylvestre sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera un ciel variable. Une température de moins 9, un temps ressenti de moins 12. Jeudi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de moins 4, un temps ressenti de moins 17. Jeudi nuit, ce sera un ciel variable. Une température de moins 16, un temps ressenti de moins 21. Vendredi matin, ce sera un ciel variable, température de moins 14, un temps ressenti de moins 18. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, température de moins 6, un temps ressenti de moins 9. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de moins 11, un temps ressenti de moins 18. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information du 7 décembre sur les ondes de CTRB à Alain Bellumeur au pépite. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. Bonne fin de journée.